Et bonsoir tout le monde, vous êtes dans votre émission C'est Vendredi. Vous êtes sur la radio Open FM, la radio des mondes en Balzac. Vous nous écoutez sur le 97.9 ainsi que sur le www.radioopenfm.fr. Et ce soir, une émission spéciale avec Geoffrey Nott qui va nous faire découvrir son nouvel album. Son nouvel album avec son accent du Sud. Et je suis sûre que ça va beaucoup vous plaire. Et tout de suite, nous avons donc Geoffrey qui va nous présenter tout ça. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Et toi ? Écoute, impeccable. Super. Je suis très contente que tu sois là avec nous ce soir et que tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours et ton album. Mais je suis ravie aussi. Merci beaucoup pour cette invitation. Tu es d'à côté de Carcassonne, c'est ça ? À Carcassonne. À Carcassonne même, d'accord. Voilà, originaire du sud de la France. Ouais. D'accord. Ça s'entend. Ben ouais, c'est cool, ça nous amène un peu de soleil, ça fait du bien. Surtout à Limoges. Non, je plaisante. Bon, ça vient le soleil là. C'est... Oui. Bon, c'est parce que ça fait un petit moment que t'es pas venu à Limoges, c'est pour ça. Depuis le mois de juin, il me semble, et on avait eu la pluie. Hein. Oh, ouais, on avait fait la fête de la musique. T'avais pu être applaudi par la foule de Limoges qui était sortie quand même, hein, malgré ce temps de chien. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'on a vu. On a vu du monde qui avait répondu présent à cette soirée. Sous les parapluies, ouais. C'était cool. C'est vrai, et bon souvenir. Donc tu es un artiste qui fait de la musique depuis combien de temps ? Présente-toi un petit peu. Moi j'ai toujours fait de la musique en fait, je me suis pas dit je veux mettre à la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours eu on va dire depuis tout petit. Et après j'ai vraiment commencé à apprendre un instrument, entre autres la guitare, à partir de l'âge de 14 ans. Puis j'ai écrit mes premiers textes, petit à petit, sans vraiment en faire un métier, hein, bien évidemment, à 14 ans. Ah, c'est voilà. Pas et puis au fur et à mesure, c'est devenu, ça a pris un peu plus de place dans ma vie, j'ai fait un premier album, et puis à partir de là, tout a été un peu, tout a été lancé à partir de ce premier album, où justement j'avais un répertoire à défendre, des chansons à présenter, donc du coup... Voilà, ça s'est enchaîné et j'en ai fait mon métier. Mais depuis ce premier album, j'écris, je compose régulièrement des musiques et des chansons. D'accord. Auteur, compositeur, c'est toi qui fais tout, en fait, de A à Z ? Oui, après, sur les albums, ça dépend parce que j'ai toujours travaillé avec d'autres auteurs qui m'apportent justement un style un peu différent. Et on travaille sur des albums avec moi. Ça m'arrive de chanter des chansons d'autres auteurs, quoi. Enfin, voilà. Et après, pareil, je travaille aussi avec d'autres compositeurs qui m'apportent aussi justement quelque chose de différent dans les compositions de mes morceaux, quoi. D'accord. Quelles sont tes influences ? Je sais pas. Très bonne question. En fait, j'écoute de tout, de la pop, du rock, de la variété, de la musique classique. Du jazz, du rock, enfin, beaucoup de styles de musique. Et je sais pas si ça s'y retrouve dans mes chansons. En tout cas, bon, on va dire assez pop variété, quoi. Et c'est un peu la couleur qu'a mon dernier album, quoi. D'accord. Ce dernier album qui s'intitule comment ? À bientôt. C'est un titre que je vous propose de découvrir tout de suite, là, sur Radio Open FM. Je dis au revoir et je reviens. À de suite ou bien à demain. Je n'ai pas d'autre vérité que celle que j'ai inventée. Je ne voudrais jamais partir. Continuez encore le plaisir. Promis, je repasse bientôt dans votre ville ou vos hameaux. Oh, 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 oh,
Radio Open FM, la radio des monts d'Ambazac. Bienvenue chez vous. Step right up. Et oui, c'est un album qui nous donne envie de chanter. Hein. On a bien. Oui, oui. Alors, ouais. Enfin, pour la petite anecdote, ce morceau, je l'ai. En fait, l'album a été écrit un petit peu autour de ce morceau. Ouais. Il me fallait, si tu veux, un titre qui me serve aussi pour faire mes sorties de scène, pour dire au revoir aux gens, tout ça. Et j'ai écrit ce morceau. Et autour de ce morceau, s'est greffé l'album. Voilà. D'accord. C'est pour ça, donc c'est en principe le morceau que j'utilise pour finir mes tours de chant, pour finir mes concerts, tout ça, voilà. Et c'est ton premier titre, en fait, de l'album. Voilà, parce c'est que... C'est marrant. Ouais, ouais, j'ai d'habitude... Mais c'est vrai que j'aime pas trop le conventionnel, il y a beaucoup de gens qui l'auraient mis à la fin, moi j'ai préféré le mettre au début, tu vois, voilà. C'est marrant, tu dis à bientôt avant de commencer. Mais c'est ça. Mais c'est ça cool. Ça met dans le thème, tu vois, tout le long. Ouais. De... Voilà. Le deuxième titre que j'aimerais qu'on entende, ça s'appelle « Les prénoms ». Oui. Je fais l'album dans le désordre, hein. Je te fais par, oui, par oui, ordre non, de a... préférence, ça ne voilà. Te gêne pas. Non, non, c'est très bien. Les prénoms, oui, c'est une chanson qui a été écrite par, justement, on parlait des auteurs avec lesquels je travaillais. Celui-là, il y est depuis le début, c'est Luc Thalieux. Un auteur toulousain qui travaille avec moi depuis le premier album, et c'est vrai que j'aime bien sa plume, sa façon d'écrire, tout ça, et j'avais demandé de réfléchir sur des titres de chansons, sur des paroles, et il m'a proposé ce titre, donc Les Prénoms. Et la particularité de cette chanson, enfin vous allez le découvrir pour ceux qui sont en train d'écouter, que c'est une chanson qui reprend tous les prénoms féminins avec lesquels on a écrit des chansons, comme par exemple Laura pour Johnny, Lucie pour Pascal Obispo, enfin voilà. Et voilà, il a tourné ça avec pas mal d'humour, et voilà, et c'est des petits clins d'œil à des chanteurs que j'écoute depuis toujours, quoi. Hein, donc, voilà. Oui, t'écoutes pas mal de variétés aussi. Hein. Tu chantes toujours en français ? Toujours en français, parce que pour deux raisons. Déjà, parce que la première raison, c'est parce que j'aime beaucoup la langue française. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Et puis, deuxièmement, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir chanter avec l'accent anglais. Donc, du coup, je me cantonne. C'est vrai que j'aime beaucoup la langue anglaise, et justement, c'est peut-être pour ça que je la chante pas, que je chante pas en anglais. Et ça me permet, voilà, de m'exprimer en français avec... des idées plus claires, on va dire, parce que c'est pas une langue que je maîtrise, quoi. D'accord. Ça marche, mais en tout cas, je trouve que c'est super, parce qu'au moins, on comprend ce que t'as à dire. J'essaye d'articuler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est difficile de trouver des chanteurs qui chantent en français, et nous, on aime ça, la langue française. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc, je suis content que ça vous plaise. Donc je te propose qu'on écoute tout de suite Les Prénoms. Désidé, Bilea, Belinda et Laura, Aziza, Aïcha, Marinette et Sarah, Lisa, Elisa, Diane, Baby Doll ou Roxane, Stéphanie, Fanny, Jeanne, Agathe, Eve et Morgane. Dieu, crée nom de nom. Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mathilde est revenue et Mélissa venue. C'était bien chez Juliette, c'était mieux chez Laurette. Marie-Lou dit goodbye ou repose sous la neige. Hélène qu'on lit en braille a fait fondre Nadège. Des Marie à l'appel et des Michel si belle. Et Andy dis-moi si pour Manon tu dis oui. J'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mais le tien mon amour, non ne t'inquiète pas. Mais le tien mon amour, je le chante pour moi. J'ai osé Joséphine, j'ai crié des Aline. J'ai aimé Amélie et Félicie aussi. J'ai suivi Nathalie et
peu les Lolita. J'ai quitté Miss Maggie pour Margot et son chat. Des Lucie à la paix, des Gabi Gabriel et Andy dit aussi pour Manon, tu dis oui. Oh, Dieu, prénom de nom, Dieu que j'aime les prénoms. Mais le tien, mon amour, je le chante pour moi. Les as de Caroline, les beaux yeux de Céline, regarde ses yeux, sa fille s'endort avec Camille. Radio Open FM, à retrouver aussi sur radioopenfm.fr. Et oui, ce soir, une soirée spéciale Geoffrey Not. Geoffrey Not, c'est un artiste que vous allez entendre parler. Je suppose que tu es diffusé quasiment partout, non? Attends, avec le son, c'est mieux. Voilà. Donc, je te disais, je suppose qu'on t'entend partout, presque. C'est-à-dire? Avec des titres comme ça, là, comme Et si jamais ou Paris, c'est des titres qui marchent bien, non? Ben, on diffuse, on fait en sorte que ça soit écouté, que ça soit aimé. C'est des chansons qui doivent vivre et qui vivent justement grâce à des radios comme la tienne, qui me permettent de faire écouter, découvrir les titres, quoi. Donc après, on essaye, hein. Ouais, voilà. ouais, ben j'espère. Hein. Cet album, il est achetable où? Alors tout d'abord, il est sur les plateformes de téléchargement. Ah. Oui, magasin Leclerc en physique, dans les espaces culturels, dans on va dire le sud de la France, dans pas mal de Leclerc, les gros Leclerc longs. Et après, il était oui, bien évidemment téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, etc., etc., iTunes. Et après, on peut aussi l'avoir en physique sur le site www.geoffreynote.com. D'accord. Note, c'est N-O-T. N-O-T, c'est mon nom de famille. Voilà. Non, mais que les gens fassent pas de faute. Oui, non, parce que je précise, parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est un pseudo ou si c'est vraiment mon nom. C'est ton vrai nom? Ouais, c'est mon vrai nom. D'accord. Et mon vrai prénom. Tu vas voir toutes les fans qui vont frapper à la porte après. Ouais. T'en fais ton affaire. Ça marche. Donc, cet album, donc, on a dit partout, en fait, hein, pratiquement. Si ouais. Vous ne le trouvez pas, vous n'hésitez pas à demander. Sinon, on peut te contacter comment? Sur les réseaux sociaux, je suis assez présent sur ma page, Geoffrey Not. Sur Facebook? Sur Facebook. Sur Instagram, c'est Geoffrey.Not. Sur Twitter, c'est Geoffrey Not aussi. Voilà, donc voilà. En tapant Geoffrey Not sur les réseaux sociaux, vous arriverez facilement à me retrouver. Parfait. On sait plein de choses. tu as des dates de concert de prévues? Demain, à Carcassonne, à côté de Carcassonne, un lieu qui s'appelle le Métronome, comme quoi ça ne s'invente pas, c'est autour de la musique. Voilà, c'est un bar-restaurant, on va dire café de nuit un peu, parce qu'il ferme quand même assez tard.
Donc voilà, c'est là où je serai demain. Deux routes de Trèbes à l'espace La Croxelle. C'est ça. Parfait. Tu as toutes les infos. Et, je te remercie, c'est grâce à toi. Donc voilà. Ça, c'est pas très loin de chez toi. Voilà, c'est à Carcassonne. À Carcassonne. Ça marche. Et par contre, c'est sur réservation, donc on va passer Oui, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Ok, voilà. Parfait. Et on te voit en tête d'affiche. Elle est belle, l'affiche. C'est ça. Sympa. Voilà. J'adore d'ailleurs, en parlant d'affiche, la photo de ton album. Ah, ben pareil, voilà. J'ai travaillé aussi avec un copain qui est photographe. Il s'appelle Vincent, il est de la région. Et c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années. Et je suis son travail, justement, grâce aux réseaux sociaux. J'ai vu ses photos, ses expositions de ses photos. Et j'ai trouvé qu'elles avaient une couleur assez intéressante parce qu'il y a un travail d'éclairage qui me plaît. Je suis pas photographe, mais c'est vrai que Enfin voilà, j'aime bien quand c'est travaillé, quand les gens prennent le temps de faire de jolies choses. Mmh. Et donc je l'ai contacté avec des idées. J'ai dit voilà, je voudrais trois photos avec trois styles différents, mais toujours avec le même décor. Et je cherchais pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, comment allait être cette photo. Et on s'en rend pas compte, mais quand on a un projet comme ça en route, il faut faire attention un peu à tout. Et un jour, en ouvrant les volets de la chambre à ma fille, j'ai eu un flash. Devant chez moi, il y a un mur dans mon jardin. Et en fait, c'est le mur de mon jardin. Voilà. Ah, la génial. Photo qu'il y a, c'est mon jardin. C'est hyper punchy. Ben ouais, j'ai trouvé qu'il y avait le côté un peu grunge avec, tu vois, le mur un peu cassé, quoi. Et il y avait le côté aussi propre de la pelouse, et puis le côté... Il y avait plusieurs choses qui ont attiré mon œil, et c'est vrai que voilà, ça me correspond. Voilà. Bon. Et ravi qu'il te plaise. Ah, tu sais, moi, je suis un peu artiste aussi dans la main. J'aime bien tout ce qui est déco, etc. Et je trouve que c'est très déco, en fait. C'est très... Ouais, on a fait les choses simples, épurées, mais efficaces. C'est ça. Une pochette d'album, quoi. Ça te correspond bien, je trouve. Ouais. Je sais pas comment je dois le prendre. Si, c'est très positif. Ah non, non, c'est très D'accord. positif. Là, je me doute, je plaisante. N'importe quoi. Bon, ça, c'est fait. Myriam, tu repasseras. Bon, je vais peut-être retourner à Paris, moi. Ouais, c'est pas très loin de Limoges. Ouais, juste 4 heures à peu près. Ah ouais, ah d'accord, ok, oui. D'accord, j'ai plus vite fait moi que vous, en fait. Bah, ça dépend en comment tu y vas. Ouais, en train, ouais, il faut peut-être pas 4 heures, hein, Limoges-Paris. Oh non, Limoges-Paris en train, c'est 3 heures. Mais nous, on D'accord. circule en voiture, et en voiture, avec les bouchons et tout, c'est facile 4 heures en zone sud de Paris. D'accord. Bref, après cette info routière... Géographique. Donc, tu as fait un titre qui s'appelle Paris. Paris. C'est une ville que j'aime énormément, et c'est vrai que quand j'y suis allé, c'était pas... On va dire, c'est un peu particulier. C'est une ville que j'adore, mais des fois, quand je prends du recul, quand je suis dans cette ville, je me dis, putain, il s'en passe des choses quand même qui sont particulièrement, et dramatiques, et tristes, mais il y a aussi de jolies choses, quoi. J'avais vu un reportage sur les rives gauches à Paris, à l'époque, de Charles Aznavour, tout ça. Où les premiers grands artistes faisaient leur début. Et j'avais trouvé que c'était une ville super, on va dire, super adéquate avec la musique, avec le côté plaisir, le côté fête, le côté travail aussi. Et j'ai l'impression qu'avec le fil du temps, on parle de Paris, mais pour d'autres raisons, quoi. Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est pas pour ces choses-là, quoi. C'est sans citer quoi que ce soit, hein, dans les textes, j'ai voulu parler de ce qu'on découvre aux informations à Paris, quoi. C'est-à-dire des attentats, sans parler d'attentats, on parle aussi des inondations, avec pas mal de choses qui font que finalement on perd un peu
le côté somptueux de la ville, quoi. Ouais, l'insécurité, etc. Ouais, sans vraiment en parler directement, mais c'est vrai que c'est des choses qui nous touchent, quoi. On peut pas, maintenant, on peut pas trop se promener dans Paris sans se dire qu'il peut nous arriver quelque chose, quoi. Et Carcassonne, voilà. T'as pas ce problème-là ? On a eu des problèmes d'attentats l'année dernière, en 2018, et ça avait fait la une des journaux aussi, pas mal de choses. Donc c'est vrai que ça arrive partout, mais on est d'accord. Mais bon, voilà, Paris c'est une ville quand même, c'est la capitale, on a quand même la plus belle avenue du monde avec les Champs-Élysées. Voilà, donc bon, c'était un petit clin d'œil à Paris en disant que j'avais du mal à reconnaître la ville qu'on avait pu connaître il y a quelques années, quoi. D'accord. Eh ben écoute, on va découvrir ça tout de suite. On a chanté les capitales, les amours mortes et un peu pâles. Je te donne des nouvelles d'ici. Depuis que je ne reconnais plus Paris, je suis venu pour les vacances, pour le travail pendant l'enfance. J'avais pensé trouver une âme sur les boulevards de Paname. Les trottoirs n'ont plus la même couleur. Devant les bars, on met des fleurs. Son manifeste. Fini le temps des belles fêtes. Paris, t'es où? La solitude au bord de Seine, comme quand est une immense peine. Paris, t'es où? Je chante encore quand vient le soir. Au bord de Seine.
24 heures sur 24, toute la musique qu'on aime, c'est Radio Open FM. Step right up. Take a ride. Et oui, parité, ouf, j'aime bien. On a envie de chanter. Apprends-la par cœur et on la chantera ensemble. Ouais, tu reviens quand sur Limoges? Ben, quand on m'invite, hein, moi, tu sais. Non, je sais pas, il faut que je vois avec les organisateurs, tout ça, et qu'on en discute. Mais moi, tu sais, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Limoges. Ouais, tu étais venu avec Musica Prod à plusieurs reprises. Oui, au mois de mai, au mois de juin, bien avant aussi, on avait fait une émission. Enfin, on a fait pas mal de choses ensemble, là, déjà. Et voilà, donc j'ai rencontré déjà une équipe au top. Voilà, superbe, des gens formidables. Donc voilà, c'est avec plaisir que je remonte à Limoges dès que je peux. D'ailleurs, Musica Prod organise un spectacle ce soir et demain et après-demain à Saint-Paul. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, j'ai vu les affiches. J'ai envoyé un petit message pour leur citer bon courage. Et voilà. Donc là, après l'émission, je file au spectacle à Saint-Paul pour aller faire un peu de karaoké. Donc, avis... S'il pleut demain, vous inquiétez pas, ce sera de ma faute. À toute la France. Et donc il y a karaoké ce soir. Demain, c'est un spectacle spécial années 80 avec Sabrina Noguera, Stéphane Luan, Vincent Senigou et Stéphane Cavani. Oui. Voilà, qui je pense n'avoir oublié personne, j'espère. C'est ce que j'ai vu sur les affiches, a priori. Voilà, et donc ils seront à Saint-Paul. Et le lendemain, c'est un thé dansant, le dimanche. D'accord. Voilà, voilà, tu sais tout. Donc ils organisent pas mal de petits trucs. C'est une histoire à suivre sur leur page Facebook, n'hésitez pas. D'ailleurs, toi, la tienne, en rappel, hein, c'est Geoffrey Note. Voilà, ma page Facebook, Geoffrey Note, tout simplement. Où il y aura en photo la pochette de l'album. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et me laisser un petit message. Voilà, ça fait plaisir. Ça me fera plaisir. Donc, tu me disais que tu as fait l'album, là, et qui vient de sortir, mais tu as aussi des clips. Oui, des clips qui sont visibles sur YouTube. Voilà, sur YouTube, on a des clips qui datent déjà d'il y a 10 ans et des clips un peu plus récents. Voilà, il y a pas mal d'infos sur mon travail, sur mes passages en radio, etc. etc. Et le prochain clip, enfin le clip que l'on va parler, j'ai oublié le titre, rappelle-nous. Cru 80. Ce que tu m'as dit. Alors là, pour le coup, un petit clin d'œil à Kevin Allison, parce que c'est un duo que j'ai fait avec lui. Une chanson qui parle des années 80 et c'est la personne qui a composé on va dire la quasi-totalité de l'album en termes de musique parce que j'avais besoin justement d'avoir des couleurs différentes de ce que je fais moi habituellement et là il a répondu présent justement pour participer à l'écriture de cet album. Donc par exemple on a écouté Paris, ça c'est une musique qu'on a écrite ensemble et arrangée. Tout l'album a été arrangé par quelqu'un qui est formidable. Pour moi, c'est un des meilleurs arrangeurs qu'on ait peut-être en France à l'heure actuelle. C'est Pilar Sens qui travaille avec beaucoup, beaucoup d'artistes et qui a accepté de travailler avec moi pour cet album. Voilà, c'est un ami, donc on a travaillé, on va dire, main dans la main sur cet album. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'écouter les arrangements qu'il écrit et le travail qu'il fait, quoi. Mmh. Il a travaillé avec, par exemple, ça a été l'arrangeur de Patrick Sébastien pendant des années, aux années Bonheur, à la télé, enfin, voilà, il a travaillé beaucoup d'artistes. La grande classe, quoi. Ben, ouais, mais la simplicité aussi, voilà, c'est ce qui fait la richesse du personnage. Super. On va écouter, donc, Cru 80, tu nous en parles un petit peu après ? Allez, je t'en parle après, promis. Ça marche, c'est parti. Elle remplit les zéniths de chansons et de hits. Elle
met tout le monde d'accord avec deux, trois accords. Un début de soirée, même en fin de soirée. Les démons de minuit tournaient bien avant l'heure. Entre un rock de Blondie et un cookie dinger, ça ne choquait personne. La musique était bonne, 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 bonne. J'ai dans ma cabane un bon cru 81, du box à sourire, une musique à danser. Mais ta pièce pour partir, rappelle-toi ça. On était 10 ou 20 et l'ambiance était telle qu'on s'est cru 80. Cette musique éternelle unit la terre, le ciel. Elle fait ce qu'on devient aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain. Sur 24, toute la musique qu'on aime, c'est Radio Open FM. Ah, les années 80, c'était la bonne époque. Ouais, c'est ce qu'il y avait dit. Encore un peu de musique. Ouais, et t'as des super musiciens, j'adore le saxo. Oui, oui, le saxophone à la fin, là, le solo de sax. Ben, j'ai travaillé pareil, c'est encore des arrangements agiles et j'ai travaillé avec des musiciens qui sont formidables. La rythmique, donc guitare, basse, batterie, piano, c'est des musiciens avec lesquels je travaille, on va dire, depuis quelques années, sauf le guitariste Erwan, qui lui a commencé à travailler avec moi sur cet album. Mm-hmm. Et la chance que j'ai, c'est que c'est un super guitariste, comprend assez vite ce que j'ai besoin, et en plus de ça, voilà, il a beaucoup de talent, et c'est le guitariste de la tournée Star 80. On a pu le voir avec Patrick Hernandez sur une partie acoustique qu'il avait fait il y a quelques temps sur France 3, où on voyait justement sur la chanson Born to be Alive, réorchestré en verso acoustique. Donc on voit que quand même il a de bonnes idées, et voilà. Donc j'ai voilà, et après pour les cuivres, c'est des musiciens de Toulouse, Guillaume Cerrito, il y a Cyril Latour, Alexandre Galinier, c'est trois musiciens qui sont formidables. Voilà, donc pareil, c'est un album qui a été fait
voilà, avec des gens que j'apprécie. Et voilà, on ne peut pas faire un joli album si on n'a pas de jolies personnes. C'est sûr, c'est un tout qui fait que ça passe sur scène. Hein. C'est ça. D'ailleurs, le public est fidèle, hein, parce que tu as même pu faire des sacrés concerts. Hein. On essaye. Bah, tu as fait le festival de Carcassonne. Oui, c'était là en 2018, c'était la troisième fois, avec Axel Bauer. Ouais. J'avais fait 2 ans en 2014. Avec Élodie Frégé en 2014, c'est ça? Avec Élodie Frégé, ouais, c'est ça. Voilà, donc bon, ça me permet justement avec de nouvelles chansons de pouvoir toucher d'autres personnes, garder les gens qui me suivent, et puis voilà, continuer à étoffer mon travail et faire des scènes, on va dire, un peu plus grosses chaque fois, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, je me rends pas trop compte parce que c'est vrai que je regarde plus vers l'avant que vers l'arrière. Et c'est vrai que des fois, quand on met pause, qu'on regarde, je me dis, ben, il y a quelques années, si on m'avait proposé ça, j'aurais signé de suite. Donc c'est vrai que là, je n'ai pas trop à me plaindre du travail que je propose et de ce que je fais sur scène, quoi. Voilà. Bon. Je te propose de découvrir 2 autres titres parce que je voudrais vraiment qu'on en passe un maximum. Ouais. Profitons de la vie. Oui. Alors, brièvement, ouais, Profitons de la vie, j'ai travaillé avec un autre auteur, tu vois. Lionel Tournier, c'est pareil, un ami, qui m'a écrit une chanson qui est pleine de vie, justement, Profitons de la vie. Et je pense que c'est une chanson qui est positive et qu'il faut... Voilà, c'est que du plus. Et on va mettre à touche-touche donc le deuxième titre qui s'appelle Trace, qui m'a énormément touchée. Et je trouvais vraiment mimi. D'accord. Et pourquoi? Mais c'est ta fille qui chante. Ouais, non, ça c'était une chanson que... J'avais écrit Mona Lisa sur mon deuxième album, chanson ouais. pour ma fille, qui avait beaucoup plu, qui avait, pareil, les gens avaient été touchés, beaucoup se reconnaissaient dans ce genre de chanson. Et bon, Lisa a grandi entre-temps et elle se met à chanter elle aussi. Donc j'avais dit, écoute, si papa il fait un nouvel album, on fera une chanson ensemble. Et elle m'a dit, d'accord. Donc du coup, voilà, il fallait que ce soit une chanson qui soit en équation avec notre relation, quoi, on va dire. Ouais. Et donc je me suis attelé à écrire une chanson qui s'appelle Trace, parce que elle est un peu sur les traces de son papa, là. Ouais, c'est trop chou. Et elle fait la scène aussi, ou elle fait juste l'enregistrement? Elle fait beaucoup de scènes. Elle fait plus de scènes que moi, peut-être, hein, parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, bon, j'ai continué avec mes chansons, tout ça, mais je cours pas après ce genre de choses. Et Elisa, elle, par contre, elle a fait la première partie de Whitney Marin au mois de juin. Mm-hmm. La gagnante de The Voice, la dernière édition. Elle avait chanté avec Frankie Vincent aussi il y a 2 ans pour un téléthon. Wow. Donc voilà, elle fait son petit bout de chemin, ça lui plaît. Elle fait ça sérieusement, mais bon, elle se prend pas au sérieux. Elle se prend pas au sérieux. Elle se prend pas au sérieux. Voilà. Tu as dit, elle a quel âge? Elle a 8 ans, elle vient de faire 8 ans. Eh ouais, toute jeune. Hein. Ouais, elle est petite. Voilà. À surveiller. Ouais, de près. Ça marche. Allez, on va profiter de la vie tout de suite avec Geoffrey Note sur Radio Open FM. Profitons de la vie quand l'absence s'en mêle. On regrette souvent que l'on et dans le bleu du ciel, on voudrait bien parler. On regrette le présent qui est déjà passé. Le silence est si lourd qu'on a peur quelquefois. On dessine le contour d'un rêve au bout des doigts. Oublions les tabous, laissons dire les jaloux. La vie, il faut l'aimer avant de regretter. Profitons de la vie. Chaque jour, chaque nuit, profitons de la vie, profitons de la vie, profitons de la vie, profitons de la vie, profitons de la vie,
sans penser à demain. Avoir toujours envie de se donner la main. L'absence a des douleurs qui laissent des cicatrices. Puis au fond des cœurs, les vrais restent complices. La vie c'est comme un fil, on y suspend les rêves. Et de mai à avril, je te donne mes lèvres. On écrit le chemin au détour d'un regard. Toujours aller plus loin, il n'est jamais trop tard. Profitons de la vie. N'oublions jamais ça, chaque jour, chaque nuit, profitons de la vie avant d'avoir trop froid et lui dire merci de me prendre dans ses bras. T'es là, tu laisses cette trace au plus profond de moi. Je pensais m'y connaître un peu plus tous les jours, en histoire de père, en histoire d'amour. Tu inventes les couleurs de ma vie tous les jours. Quand on est face à face, quand on voit cette trace, ce long chemin d'amour. Et petit à petit, tu fais de moi cet homme. Quand je t'aime, j'ai plus envie d'aimer une autre personne. Open FM. Et on finira avec Et si jamais, que j'aime beaucoup aussi, et qu'il y a un clip aussi sur cette chanson ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a un clip? Non, pas encore, mais c'est en prévision. On avec Trace ou Et si jamais? À toutes. Sur Et si jamais. D'accord. Voilà, ça sera fait. Trace, il y est déjà. Ouais. Avec Lisa.
Et voilà, et si jamais c'est en prévision, c'est prévu pour bientôt. Voilà. Donc on peut voir ça sur YouTube, bien sûr. S'inscrire, voilà, pour avoir les dernières vidéos, les dernières infos. Voilà, s'inscrire par exemple sur YouTube ou même sur le site www.geoffrenot.com. On peut s'inscrire à la newsletter, voilà, pour avoir les actualités, les dates, etc., etc. D'accord. Eh bien, voilà. J'invite tous les auditeurs à le faire, à se procurer l'album au plus vite hein, pour pouvoir connaître toutes les chansons par cœur lors de ton prochain passage sur Limoges, qui ne saurait tarder. Oui, c'est ça. Hein, tu nous tiendras au courant. Oui, ne vous inquiétez pas. En attendant, Amis de Carcassonne, c'est demain au Métronome que tu seras là. Oui. Donc, restaurant-bar, et ça va être un mix, tu vas faire Ouais, il y aura du mix aussi avec une partie donc plus dansante, voilà, pour terminer la soirée, voilà, quelque chose de plus festif, on va dire. Et donc, à ce moment-là, tu pourras faire toutes les dédicaces que tu voudras, les bisous, c'est ça. Les coucous, amis fans, soyez au rendez-vous. On vous attend. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi. J'ai une petite dédicace à faire à toute l'équipe de Musica Prod. Oui. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de messages de gens qui... Donc voilà, il y a toute l'équipe de Musica Prod, David Sicard aussi. On sera au rendez-vous, moi et mes deux filles, trois fans, voilà. Il y a Anaïs qui m'a envoyé un message aussi pour que je lui fasse une dédicace. Anaïs voilà. De chez Unique. C'est ça. La maquilleuse qui fait des Exactement. Super maquillages pour les enfants et pour les adultes aussi, les mariés. Et qui fait partie de l'équipe aussi un petit peu de Musica Prod maintenant. C'est ça, elle maquille les artistes avant qu'ils montent sur scène pour être voilà. tout beau. C'est ça. ok, et donc, ah oui, je voulais te dire, je ne l'ai pas dit, mais félicitations à Lisa du coup, parce que cette interprétation de Trace est super. C'est la sienne, elle se l'a appropriée la chanson et elle a mené le morceau à bien. Elle chante avec moi sur scène avec 8 musiciens derrière. Donc c'est pas anodin, c'est à lui à cet âge-là, arriver à tenir la scène toute seule pendant quelques minutes. C'est joli, c'est voilà, qu'elle continue. C'est un plaisir pour tous les gens qui la regardent et un plaisir pour moi surtout. Qui chante à côté d'elle, quoi. Eh ben, c'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous voir en famille. Et c'est vrai que ça donne envie de suivre l'actualité à la fois de Lisa et la tienne, Geoffrey. Suivez-la. Suivez-la. Suivez-les, les deux. Ça marche. Eh ben, on va finir avec « Et si jamais ?». Et si ouais. tu as un petit commentaire sur « Et si jamais ?», c'est le moment. c'est moi. Là, c'est moi qui ai écrit les textes. J'ai écrit les textes qui parlent de relations. C'est vrai qu'on a souvent parlé d'amour, souvent parlé de nostalgie. Voilà, et là ça parle de changement de relation, envisager autre chose. Et enfin, je vous laisse écouter. Et voilà, ça parle mieux que mes mots là. Vous écoutez Geoffrey Nott sur Radio Open FM. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine de 21h à 22h30 pour votre émission C'est Vendredi. Ciao, ciao tout le monde. Et si jamais je ne pensais plus à toi, je ne pensais qu'à ça, des sourires perdus, des gestes inconnus. Et si jamais, et si jamais je ne pensais plus à nous, qu'à son regard de fou, qu'une parenthèse dans cette folie, nouveau départ pour nouvelle vie. Et si jamais, et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, crois-tu que l'amour change? Est-ce que vraiment ça dérange? Et si jamais, et si
si jamais je ne pensais plus qu'à moi, que je ne vive que pour ça, j'en oublie même d'où je viens, qu'il me tarde le lendemain. Et si jamais, et si jamais je ne pensais plus qu'à elle, je ne pensais plus à terre, ce seul refrain qui nous rend libre, ce nous deux pourtant fragiles. Et si jamais, et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, crois-tu que l'amour change? Est-ce que vraiment ça dérange? Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais tout ça, l'histoire tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 pour l'émission C'est Vendredi.